encore quand il faut. Et bien voilà, la statue de Loppel II est toujours là à Bruxelles, malgré les menaces qu'avait lancées la Ligue de Défense Noire de venir, je cite, la déboulonner ce samedi 28 novembre. Nous sommes le 29 novembre, elle est toujours là. Elle est toujours là parce que dès l'annonce de cette provocation, le mouvement Nation avait lui lancé un appel à se rassembler ici pour empêcher cet acte de destruction de notre patrimoine. Appel qui a été très bien relayé et un certain nombre de personnes avaient annoncé qu'elles allaient venir, ce qui a sans doute permis de mettre la pression sur les autorités. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le 24 novembre, la Ligue de Défense Noire s'est dégonflée et a dit qu'elle reportait son événement, soi-disant à cause des mesures Covid. Comme s'ils avaient appris la semaine passée qu'il y avait des mesures Covid. C'était bien évidemment du pipeau. Manifestement, ils ne voulaient pas avoir une opposition face à eux. Ils ne s'attendaient pas d'ailleurs à une réaction des patriotes. On sait que la Ligue de Défense Noire est très, à la menace facile contre, par exemple, les journalistes de Valeurs Actuelles. Mais sans doute, ils se sont renseignés sur les militants de Nation. Ils ont appris que nous étions sans doute moins littéraires que les journalistes de Valeurs Actuelles, mais un peu plus rugueux. Et donc, ils se sont dégonflés. De plus, le 26 novembre, la ville de Bruxelles, elle, a pris un arrêté d'interdiction de tout rassemblement, car elle avait évidemment peur d'une éventuelle confrontation entre la Ligue de Défense Noire et les militants patriotes. Et donc, juste là, je vais dire, objectif atteint aussi grâce au travail de nos militants qui, le samedi de 6h du matin à 15h, sont restés pour monter une garde, on peut dire ça comme ça, pour protéger la statue. En tous les cas, pour ce week-end-ci, pour le 28 novembre, la mission a été accomplie. Nous avons protégé la statue de Léopold grâce aux gens qui nous ont soutenus et qui ont relayé notre appel sur Internet, grâce à nos militants, je le répète, qui ont monté de garde, parce que ici, on est chez nous et il n'y a personne qui a à venir détruire notre patrimoine ou nous dire ce qui est bien ou ce qui est mal dans notre histoire. Voilà.